Bonjour, je suis Cyril, l'un des chargés de recrutement de l'ONERA. Chaque année, nous recrutons de nombreux nouveaux collègues, principalement en CDI, mais aussi en contrat de projet ou d'opération de recherche, liés à un projet spécifique ou plus rarement en CDD. Nos offres couvrent les filières de recherche scientifique, bien sûr, avec des postes d'ingénieurs ou de chercheurs, mais aussi tous les métiers techniques et de soutien ou de support aux opérationnels du type tertiaire. Nous recrutons pour nos 8 centres, situés en région parisienne et toulousaine, les deux grands pôles aéronautiques et spatiaux français, mais aussi en Haute-France, à Lille, en Auvergne-Rhône-Alpes, à Modane, et en Provence-Alpes-Côte d'Azur, à Saint-Mont-de-Provence. Que vous ayez trouvé nos offres sur les différents sites de recrutement ou directement sur le site onera.fr, nous avons voulu optimiser et raccourcir autant que possible votre parcours de candidature. Il vous suffira de télécharger votre CV et vérifier les coordonnées. La lettre de motivation n'est pas obligatoire, ni vos recommandations ou publications. Vous aurez l'occasion de nous les faire parvenir plus tard si vous le souhaitez. Chaque jour, moi et mes collègues étudions vos candidatures. Si la vôtre est présélectionnée, elle sera transmise au responsable opérationnel concerné pour un premier avis technique. Il pourra alors vous inviter à un entretien téléphonique, vidéo ou directement sur l'un de nos sites. Et si c'est un poste en région, vous aurez également un entretien avec nos correspondants RH locaux. Notez que pour préparer votre venue dans nos locaux sécurisés, nous vous inviterons à télécharger une pièce d'identité dans votre espace candidat sécurisé en ligne dès cette première étape. Si à la suite de ces premiers échanges, vous êtes identifié comme candidat finaliste, notre processus de recrutement prévoit de nouveaux entretiens. L'un avec le chargé de recrutement central dont je fais partie, et l'autre avec le directeur du département ou de la direction. Et pour les postes de recherche scientifique, un troisième entretien avec l'un de nos directeurs scientifiques de domaine vous permettra d'élargir encore vos perspectives à l'ONERA. Notre entretien de chargé de recrutement vous permettra d'échanger sur votre parcours, vos motivations et de commenter ensemble la synthèse de vos réponses à un questionnaire de personnalité que l'on vous aura invité à réaliser en ligne avant notre échange. Si votre candidature est définitivement validée, viendra le temps de l'enquête de sécurité pour travailler sur nos centres et de la proposition salariale que nous serons en mesure de vous communiquer. Si vous ne nous connaissez pas, je vous invite à consulter notre site onera.fr. Vous y découvrirez un ONERA très multidisciplinaire et un grand nombre de métiers et de filières très variés, ouverts à tous les niveaux de formation, du bac au doctorat, en passant par les BUT, BTS, Master ou titres d'ingénieur. Nos équipes travaillent sur des projets innovants, passionnants et engageants, alors consultez nos offres et rejoignez-nous.